j'allais t'appeler. Sérieux? Ouais. Je fais un sujet sur le bordel pour les cyclistes. Ah ouais, bah t'as vu la vidéo que j'ai sortie? Incroyable. J'allais te demander si je pouvais te prendre quelques images. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, regarde, là, ça continue, tu vois. À moins que ce soit la presse. Non. Ah si, presse 2024. Ah. Non, mais c'est le bazar, là. Donc Laura, le Parisien. En live? Hein? Ouais, je suis en live là. Mais c'était pas toi que je voulais voir ce matin, parce qu'il y avait un journaliste qui m'avait dit de venir pour reparler justement de cette séquence aberrante là. Tu peux te poser une petite question toi qu'on est là? Vas-y. Non, t'es l'équipement et. Attends, je vais me mettre face. Ouais, parce que là, on gêne le peu de place qu'ils ont, les pauvres. On peut se mettre en face? Ouais, ouais, vas-y. Tu te trouves ton live mais... Non, non, aucun problème. Et si je me suis arrêté. C'est le bazar! Ah c'est incroyable ouais. Bon bah bonjour. Vous avez fait une vidéo sur ce qui se passait là avec les cyclistes et les piétons. Comment vous analysez la situation en amont des JO? Ouais, ben là c'est impressionnant, on peut voir effectivement que les cyclistes sont jetés dans la circulation avec une déviation de la circulation générale, ici, là-bas et. Sur tous les quais, il n'y a rien, aucune disposition qui a été mise pour les cyclistes, à part les envoyer dans la circulation et des petits logos au sol, comme on peut voir, qui protègent en rien, surtout avec des camions qui sont là, donc c'est hyper dangereux. Je comprends pas en fait le choix qui a été fait, la mauvaise communication au niveau de la préfecture de police. Moi j'ai essayé de contacter Paris, j'ai essayé de contacter la préf, personne ne m'a répondu, personne ne m'a dit où on était. Je regrette d'avoir conservé la circulation des véhicules motorisés personnels sur les quais, peut-être uniquement à ce moment-là garder uniquement les professionnels, ceux qui ont besoin d'utiliser cette voie, mais mettre tout le monde dans la circulation générale, c'est hyper dangereux. C'est un coupe-gorge en fait là, les quais. En fait, c'est terrible parce que cette piste-là, c'est la troisième piste la plus empruntée de tout Paris en termes de trafic pour les cyclistes. Et couper un itinéraire aussi majeur dans un sens de circulation, je trouve ça dramatique. Ça va décourager les cyclistes, ça va faire peur à certains qui utilisaient le vélo pour le vélo taf. Ça va vraiment décourager, créer des craintes. On pourrait croire que c'est dérisoire, mais c'est vraiment catastrophique par rapport à tous les efforts qui ont été faits par Paris ces dernières années. Gâcher ça en quelques jours pour les JO, je comprends pas. Et il y a une situation encore plus flagrante, et je vais y aller après, c'est vers le pont de l'Alma, le tunnel de l'Alma. Vous avez filmé quelque chose d'assez surréaliste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la petite bande cyclable qui coupe toute la circulation avant le tunnel? Oui, j'avais halluciné. En fait, ils ont peint au sol une flèche qui pousse à couper la circulation pour aller sur un zébra qui a été aménagé en aménagement cyclable temporaire, je ne sais pas, avec un panneau qui indiquait encore à ce moment-là l'interdiction vélo, qui a été supprimée depuis, j'y suis retourné hier. Donc là, c'était assez hallucinant. À première vue, c'est une déviation en devenir. Mais encore une fois, on ne comprend pas où ils veulent en venir. Pourquoi ils font pas tout d'un coup? Pourquoi ils font au fur et à mesure? On ne comprend pas en fait au niveau des travaux. Et pour les piétons, vous avez observé des choses? Pour les piétons, c'est catastrophique. Il y a des grilles partout, on les empêche de traverser. Ils ne peuvent plus se déplacer sur certains axes, ce qui crée des détours majeurs. Pour les piétons, c'est dramatique, surtout les personnes à mobilité réduite qui, eux, pouvaient profiter des aménagements cyclables. Là, ils se retrouvent jetés dans la circulation. Donc en fait, on ne prend absolument pas en considération les usagers les plus vulnérables, qui sont les piétons, les cycles, les personnes à mobilité réduite, et on va privilégier les personnes individuelles pour se déplacer avec le véhicule motorisé, qui eux peuvent se permettre ces jours-là de faire un détour, ce qui n'est pas la même chose que pour un piéton, un cycle. Bah, merci d'avoir pris le temps. Avec plaisir. J'espère que mes réponses ne sont pas trop longues, mais tu te débrouilleras. Très bien. Mais bonjour le live. Ça fait plaisir de te croiser. Bah ouais, de ouf. Donc tu travailles encore pour le Parisien là? Bah ouais, okay. Et là on est sur les JO, là on est à fond. Ouais, super. Allez, ouais, bon on courage. On a du taf, on t'attend tous les jours. Donc ouais, t'as vu sur les quais en fait après la vidéo, alors je sais pas si c'est lié à la vidéo, mais ils ont supprimé le panneau interdit cycle. D'accord, ok, non j'ai pas vu. Donc tu auras pas la séquence. Mais la déviation avant le tunnel là où on est jeté dans la circulation, elle existe toujours. Elle existe toujours, mais le panneau a été supprimé interdit cycle. D'accord. Donc il y a juste ça qui a changé. Puis moi là je vais retourner voir. Bah le journaliste pour la déviation sur les marches. Les marches. Il y a une déviation qui envoie sur des marches pour les cycles. Tu veux dire les graviers non stabilisés? Ouais. Et après c'est des marches. Ah oui, le tremplin là. C'est ça. Oui, je vais y aller. Mais non, mais moi je le prends tous les jours pour aller au taf. Ah bon, on se retrouvera là-bas alors. En fait, il y a une petite passerelle à gauche et ils ont inversé les panneaux. Attends, j'ai posé une question là-dessus, ouais. Parce que je vivais avec les images. D'accord. Bon, on se reverra peut-être. Oui. Il y a une mini surprise.
prise sur la déviation avec un tremplin le long des quais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Exactement, il y a une déviation un peu bizarre qui envoie sur un endroit qui est normalement réservé aux piétons. On peut d'ailleurs voir le panneau interdit qui a juste été caché avec du scotch noir et qui envoie à ce moment-là sur un escalier, tout simplement. Donc on ne comprend pas. Surtout qu'il y avait le choix de choisir une rampe. Il y a une rampe qui est à gauche, mais ils ont choisi d'envoyer les cyclistes sur l'escalier. Donc je ne comprends pas la logique. D'accord, bon bah à tout à l'heure peut-être. Ça marche, à tout à l'heure. Au revoir. Tu as un plan d'élu ? Ça marche. Ça va être coton pour se réinsérer là. Oui, moi j'ai l'habitude, malheureusement, ça fait des années que je circule à Paris, mais bon courage pour les cyclistes débutants et les personnes qui vont découvrir Paris aujourd'hui, ça va être un délice. Allez, salut, bonne journée, bon courage. Tu veux vraiment que je me réinsère là-dedans? Allez, t'es tout à l'heure, ciao. Ah mais j'ai oublié les bouchons, bah, je les retrouverai tout à l'heure certainement, Laura.